Bishem Hashem Yaseh Ben Asliach, Shalom Uvracha, on est aujourd'hui le lundi 1er du mois de février et le 19 du mois de Shvat Achim Tovim Shalom. On parlera aujourd'hui de la Seudat Yétro. On a déjà fait des cours sur toratraim.net, Bezrat Hashem. Je suis racheté aujourd'hui par Joël Berda pour la Refouach Lema, Bezrat Hashem de tous les malades, Israël Bichlala Mordechai, Max Ben Myriam Berda, ainsi que Marcel Bat Esther et Monette Bat Albert. Une grande Refouach Lema aussi pour Yosef Ben Maïcha Chabad, à qui on souhaite Mamash, une Achlama Meira, Kol Cholé Israël. On a déjà cité les noms ce matin. C'est aussi l'Askara aujourd'hui de Shimon Ben Rahmouna, Alava Shalom, et Viviane Bat Dina, Alea Shalom, Roch Hashem Tenahena Megan Aiden Elion. Donc on part directement pour le cours. Vous pouvez bien entendu chacun de vous dédier les shiurim pour la Refouach Shlema, pour les lunishmat et l'efel fevdalim, pour la parnassa, pour un bon zivug, et pour vous tous. Toda Rabba aussi à Daniel Yaakov, Bilar Ayakar, ainsi que Mordechai, de Genève Ayakar, Kol Echad Vikem, tout celui qui nous aide, vous méritez, Mamash, Toda Rabba, Mikol Alev, toute notre sympathie. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Alors, vous savez que nous, la planète tunisienne, on a l'habitude de faire jeudi soir la Seudat Yétro. Et bizarrement, en étudiant ce que j'étais en train d'étudier avant de lancer ce shiur, je me suis rendu compte que pour cette année, tout le monde devrait faire Seudat Yétro parce qu'il y a une ségoula extraordinaire, il y a un remède. Car vous savez que le principe de Seudat Yétro, c'est une Seudat de remerciement, c'est une Seudat Odaya. On se comprenne bien, la Seudat Yétro, c'est pas Stam Minag Be'alma, comme le rapporte d'ailleurs dans ce livre extraordinaire, Otsar Pela Ota Torah, mais d'autres livres aussi nous indiquent que la Seudat Yétro, c'est mettre le Odot Lachem sur, comme vous le savez, il le ramène ici, Haïta Magifa Nora Be Eretz Tunis, il y avait une épidémie, on en a parlé déjà dans l'autre shurim, je vous le disais tout à l'heure, dans Toratraim.net, on a donné beaucoup d'explications pour qu'on faisait Seudat Yétro, Verabim Chalali, et puis là, et malheureusement, alors ici il dit qu'il y a d'un côté les femmes qui perdaient leurs enfants, on dit que les enfants qui étaient jeunes mouraient d'une épidémie, ou bien il y a un avis à Chol et Tov, donc ici ramène une référence qui dit que les témoignages des arrière-arrière-grands-parents qui ont dit à leurs enfants et leurs enfants, que Bémet, il y a eu l'apparition de Elio Anavi, qui est intervenu ce jour-là, Zachroletov, Vetiva, Leisha, Achat, bon, il y a plusieurs versions, parce que j'ai appris différemment de ce qui est marqué dans ce livre, mais c'est bien de tout savoir, parce qu'il y en a forcément un qui a raison. Donc, Vetiva, Leisha, Achat, Lishrot, Yona. Et il lui a dit, fais la shrita à un pigeon. D'accord? D'où le fait aussi de manger des petits pigeons le jour de Seudat Yétro. Plusieurs explications à ça. Il y en a qui disent que le pigeon, il y a beaucoup de fer à l'intérieur, que les enfants avaient besoin de vitamines, plein de déotes. Mais par contre, si je relis ça à ce qui a marqué dans une autre paracha de ce livre-là, une grande ségoula que ramène Rabbi Haïm Paladji. On parle d'un des plus grands mekoubal de Turquie, de la ville de Kushta, si je me souviens bien. Lui, il dit qu'un des remèdes pour soigner des maladies, c'est de donner à manger aux oiseaux. Alors, c'est bizarre parce que quand on a une jaunisse, il faut déposer par exemple un pigeon sur le tabour, sur le nombril de celui qui a la jaunisse, et l'oiseau prend la jaunisse, c'est lui qui meurt et l'enfant vit et retrouve forme. Là-bas, il marque un des plus grands remèdes de toutes les réfouotes, c'est que tu prends des morceaux de pain, des petites miettes de pain, et va donner à manger aux oiseaux. Pourquoi ? Ben, mettre pourquoi ? Il n'y a pas que Rabbi Haïm Paladji, j'ai lu ça aussi au nom du Chida, j'ai lu ça au nom de plusieurs commentateurs, et pas des petits, on parle des géants de la Torah, qui disent que, à propos de ce qui est marqué dans la Gemara, une fois Rabbi Houda, Nassir, Alav Shalom, alors qu'il marchait, il y a un veau qui est venu se placer entre ses jambes demandant pitié parce qu'ils allaient lui faire la shrita. Et Rabbi Houda Nassir, il a dit, mais t'es venu pour ça, t'es venu pour t'élever. Le fait de faire la shrita, tu sens pas la shrita. Vous savez que, alpi alacha, si l'animal que l'on va égorger voit le couteau, ça rend la shrita pas saoul. L'animal n'a pas, parce qu'ici, voit le couteau, il va avoir peur. S'il a peur, il est plus cachère. Donc on cache le couteau derrière, quand il ne voit pas, on passe une lame extrêmement aiguisée de telle façon à ce qu'il ne sente pas la coupure, ça coupe le canet et la véchette, et là, instantanément, la mort est provoquée sans aucune douleur, sinon l'animal est taref. Comprenez-le bien, dans la shrita, contrairement à tous ces ignorants de très haut niveau qui disent que l'électricité c'est mieux, c'est Sheker Gamour. Ils veulent arrêter la shrita, mais viendra un jour, ils comprendront que la shrita, dans le judaïsme, on n'a pas le droit de faire souffrir un animal. Et quand on le tue, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de le manger. Assour, il devient taref, nekuda. Et la chen, l'isiata d'Ishmaïa, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Houdan? Si, il lui dit, le kachnut sarta, t'as été créé pour ça. Et ce veau a été emmené vers la shrita.
Et dans le ciel, on a été très dur avec Rabbi Yehuda Hanassi, puisqu'il a été atteint de deux maladies à cause de ses deux yeux qui n'ont pas eu pitié de cet animal. C'est-à-dire, jusqu'à ce soir, demain, il est venu chez toi te demander de l'aide. Aide-le. Il lui a dit non, ton tikkun est fini maintenant, pars maintenant. Qu'est-ce qu'il a eu comme maladie? Une rage de dents qui a duré 13 ans. Et pire encore, je ne sais pas si c'est pire, parce qu'une rage de dents, ça rend fou. Il a eu des cailloux dans les reins, ce qui fait que chaque fois qu'il allait uriner, il avait des cailloux qui sortaient de la Brit Mila. Et ses hurlements étaient terribles, à un tel point que la Gemara nous dit qu'on était obligé de faire brère, je crois, les ânes ont dit brère, autant hurler les ânes, pour couvrir la voix de douleur qu'il avait. Jusqu'au jour où nous dit la Gemara, sa servante lui a dit, mais il y a des petites souris là-bas, elle prend le balai pour les frapper, elle dit, non, les frappe pas. Prends-les, mets-les gentiment dehors. Ne leur fais pas de mal. Ce même jour-là, Rabbi Yehuda Hanassi n'a eu ni mal aux dents, et les cailloux kaout Rabbi, ils ont disparu sans opération et sans laser. Lama, comme Erakadosh Baruch Hu, Dieu il dit, tout celui qui a pitié dans ce monde de mes créatures, moi j'aurai pitié de lui. Maintenant on comprend. Celui qui vient donner son aucun intérêt à manger comme ça à des oiseaux, pour la réfoua schéma de quelqu'un, il dit, ah, tu veilles à mes créatures, tu veilles à ce que j'ai créé, tu ne détruis pas le monde, au contraire, tu le nourris, tu fais ce qu'il faut. Chayecha. Tout comme toi, tu as eu pitié, mida keneged mida lo batla, la reine, une grande ségoula de donner aux oiseaux. Et pourquoi dans ce cas-là donner aux oiseaux? Pourquoi pas donner aux animaux de la forêt? Pourquoi pas les écureuils? Ben parce que les oiseaux ont une particularité. C'est qu'ils sont aussi bien sur terre que dans le monde d'en haut. Ils font l'aller-retour entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et c'est pour cela qu'il y a une moins grande impureté chez les animaux volatiles, dit le Sefer Soda Hashmal derrière. Il dit, il y a une moins grande, c'est pour ça qu'on fait, la Shrita est différente pour les oiseaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins impurs. Et les poissons, encore moins impurs. Bien entendu, on parle des poissons cachers et des oiseaux cachers. C'est pas d'ailleurs. Alors il dit comme ça, Benetra Magefa. Yona Navi lui a dit, fais une Shrita. En d'autres termes, comme on ne pouvait pas faire de korbanot en dehors du Beth Amikdash, et qu'on était en Tunisie à cette époque, fais une Shrita, et que toute la maladie, comme elle ne peut pas, l'ange de la maladie, repartir vide, il faut bien qu'il prenne quelqu'un. Au lieu de prendre les enfants d'Israël, qu'il prenne cet oiseau. Vaya Zeb Parashat Yitro. Et ça s'est passé quand? Eh bien, tout simplement, la paracha de Yitro. Les Zecher Anes Osim Simcha Veyom Tov Veorchim Seuda Gedola Shel Mizvat Odaya. Et grâce à cela, comme la Magefa, l'épidémie s'est totalement arrêtée du jour au lendemain, alors que personne ne pouvait arrêter ce virus il y a plus de deux siècles en Tunisie, nous fêtons la Seuda Yitro, qui est une Seuda Odaya. Et pourquoi je dis tout le monde devrait le faire cette année? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes atteints aussi d'une épidémie, et que si Bezrat Hashem, par le mérite de Yitro, nous arrivons à agir en conséquence, eh bien, avec l'aide d'Hachem, peut-être que cette épidémie aussi cessera. Alors, juste avant, je voudrais quand même dire un mot, puisqu'on est dans la paracha de Yitro et dans la Seuda Yitro. Qu'est-ce qu'a eu Yitro de spécial pour avoir deux événements à son insu? C'est vrai qu'on ne dit pas Eloke Yitro, c'est vrai qu'on ne dit pas Baruch Ata Eloke Yitro. On ne rappelle pas Yitro dans notre vie quotidienne. Et pourtant, c'est lui qui l'emporte sur Moshe Rabbeinu, sur les enfants d'Israël, sur Nadav Ben Aminadav, de la tribu d'Yehuda, sur tous les grands, Aaron, Oef Shalom, Verodef Shalom, non. Le seul qui est pris pour le don de la Torah, qui est l'essence même de la raison pour laquelle nous sommes venus au monde. Vous savez que les Chachamim nous disent que quand le don de la Torah a été donné, Dieu a retiré l'oxygène du monde. Ou, pas du monde, autant pour moi. Tous les enfants d'Israël, là où ils étaient, le hard du Sinaï, voilà, c'est ça, tout le Sinaï s'est vidé d'air. C'est-à-dire celui qui rentrait dans, ne pouvait pas respirer. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y en a qui disent qu'il aime Chayinu Ve'orech Yamenu, pour te faire comprendre que tout celui qui respire sur terre, c'est uniquement grâce à ceux qui étudient la Torah. Vous savez, ce qu'on appelle les parasites comme ça. Comme ça nous dit ici dans Otsar Pela Ota Torah. Il nous dit, première raison, tu sais pourquoi Dieu l'a vidé? Pour te faire comprendre que tout ce que tu respires au monde, quand la Neshama t'alléluia, alléluia, c'est grâce à ceux qui étudient la Torah, qui aiment Chayinu, car elles sont notre Orech Yamenu, et celles qui nous donnent la longévité de la vie, et qu'en réalité, la facture de ce que Dieu fait comme miracle que l'on puisse respirer dans cette atmosphère vient grâce à l'étude de ceux qui étudient la Torah. Donc messieurs du gouvernement, vous devriez plutôt faire de grandes carpettes devant ceux qui étudient la Torah. Je ne parle pas de ceux qui ne respectent pas les consignes du ministère de la Santé, qu'il n'y ait pas de confusion ici, mais je parle de ceux qui étudient la Torah. Il ferait bien de faire des carpettes, parce que si celui qui croit en la Torah ou nos paroles de Chachamim comprendra ici que Akadosh Baruch Hu a fait ce tel miracle, c'est pour cela. Deuxième raison qu'il appelle d'ailleurs, en parenthèse, c'est que Akadosh Baruch Hu a voulu que le don de la Torah se fasse complètement dans le biais des miracles.
Et donc, les anges ont fait les chauffarotes. Qu'est-ce que c'est le chauffard terrible qu'on entendait pendant la Torah? C'était les anges qui chantaient en l'honneur de Dieu de toute leur âme, ce qui fait que, boum, ça a fait un bruit qui ne cessait de grandir. Et on sait que l'oreille ne peut entendre que quand il y a de l'air. S'il n'y a plus d'air, je ne peux pas entendre. Pour que tout ce qui se passe au don de la Torah soit empreint que de miracles. Pour faire comprendre que la Torah est au-dessus de tous les miracles. Quand tu reçois la Torah, quand tu as de la Torah, l'impossible devient complètement possible et le naturel s'efface face au surnaturel. La Siudat Yétro, je vous ai parlé de ce personnage, juste deux petits points comme ça pour réveiller un petit peu le kavod qu'on se doit d'avoir pour cet homme. Mais Yétro, d'abord, c'est un langage universel. Ça vient nous apprendre que même si on est juif, même si on a de la Torah en nous, on peut apprendre d'un goy qui peut nous donner un conseil. Et que ce conseil, il doit avoir beaucoup de valeur. Comme dit d'ailleurs la Gemara, si les goy viennent t'apprendre quelque chose, la science ou, je sais pas moi, des trucs scientifiques, crois-les. Crois-les, tu peux leur faire confiance. Ouais. Mais s'ils viennent te parler de Torah et qu'ils te disent que la Terre, elle a je sais pas quoi et toutes sortes de bêtises, Zalta Minam, ta Selitova, reste à ta place. C'est la première chose qu'on apprend de Yitro, c'est que Akadosh Baruch Hu a aussi mis de la Chochma chez les Goïm, et c'est pas parce qu'on est des Juifs qu'on a la Torah que les non-Juifs n'ont pas des choses à nous apprendre. Comme a dit le roi David, Mikol Minam Daiskalti Ketvotechasichali. Toute personne qui a un peu de Sechel, on peut apprendre de lui. Okay? On peut apprendre beaucoup de choses aussi des nations du monde. Tant que, bien entendu, on ne s'assimile pas à eux. La deuxième chose de Yitro, c'est que Bémet, c'est un personnage waouh. Wow. On dit en tunisien, tunisien-américain, on dit it's gonna fine. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Yitro, la différence entre lui et les Hébreux, c'est que les Hébreux, ils ont quitté les coups de fouet, ils ont quitté l'esclavage, ils ont quitté l'humiliation, ils ont quitté. Puis ils ont vécu plein de miracles. Yitro, lui, il était un personnage exceptionnel. Il était le pape de toutes les terres du globe de la terre, le pape, où tout le monde lui apportait des offrandes, de l'argent, des femmes, de la nourriture, de toute culture. Yétro était le pape de toutes les idolâtries de cette époque. L'argent, il en avait de quoi en jeter par la fenêtre. Les femmes étaient plus belles les unes que les autres. Tout le monde se prosternait et l'appelait Dieu. Yétro était au summum de tout ce qu'un homme pourrait rêver d'avoir avec son Yétserara. Alors que nous sortions du pays d'Égypte. On a été battus, spoliés, massacrés, Hachem Ishmor Virachem. Bien sûr qu'on était content de recevoir la Torah. Il faut savoir que Yétro, à la Vachalom, lui, quand il s'est converti au judaïsme, ils ont attenté à sa vie. Il a perdu tout son harem, tout son argent, toute sa célébrité, tous les journaux d'époque, toutes les médias d'époque l'ont descendu. Il est passé de l'homme le plus célèbre à l'homme le plus haï de tous ceux qui le connaissaient, et plus aucun ami ne lui a parlé. Yétro est un homme qui s'est retrouvé au summum de la pyramide, du succès, des tapis rouges, des honneurs, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Un tel point que même Pharaon se l'est pris comme conseiller principal. Il s'est retrouvé clochard, démuni de tout, haï de tous, plus aucun ami. Tout le monde maudissait son nom. Et alors, il a dit, j'ai trouvé mieux que tous ces plaisirs du monde en bas. Il y a mieux que toutes les femmes, il y a mieux que tous les honneurs, il y a mieux que tout l'argent. Quoi ? La Torah d'Hachem. C'est pas comme nous qui venons du plus bas, où on est monté du plus haut. Lui, il est parti du plus haut, en allant encore beaucoup plus haut. Amar HaKadosh Baruch Hu Chayecha, Yétro Ayakar, en ton nom je mettrai la Torah. Parce que tu es un symbole pour tous les enfants d'Israël. Si on doit quitter les honneurs, si on doit même perdre des amis, parce qu'ils nous empêcheront d'être Avodat Hashem, si on doit se séparer de tout ce qu'on a aimé, de toutes les valeurs, de toutes nos addictions pour être un Ben Torah, alors c'est vrai que tu en es particulièrement le symbole. Zeyetro Atzadik, Soto Yagan Alenu. Yétro, non seulement il a le mérite de cette paracha, mais il a aussi la Seouda de Yétro. La Seouda de Yétro, parce que, comme il le dit ici, Nagnifla, donc je vous lis maintenant dans le livre, c'est un merveilleux Minag, Etzel Edut Tunis, d'Algir, car il faut savoir que certaines personnes, certaines régions en Algérie, comme les Constantinois, font la Seouda de Yétro, car ils ont pris beaucoup des minagim tunisiens.
Shorchim Seuda Beyom Chamishi Beparashat Yitro, car le jeudi qui précède le Shabbat de Yitro, Nikret Seudat, Yitro font une Seuda au nom de Yitro. Kamatamim Nemru Badavar, donc il ramène ici pourquoi cette Seuda. Zecher les Seuda Shasa Yitro Beatzmon Birvodo, car quand Yitro est arrivé, la première des choses qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, viens, on fait une Seuda en l'honneur d'Hachem. Viens, on fait une Seuda en l'honneur de Dieu. Qui dit parachatino vaikar Yitro choten Moshe. Olaus vachim l'elokim. Il a pris des korbanot, des sacrifices en l'honneur de Dieu. Va y avoir Aaron, chol zekne Israël et chol lechem. Il a invité Aaron et tous les anciens. Il leur a dit, venez, sur mon compte à moi. Venez, on fait une Seuda en l'honneur de Dieu. Il dit ici, comme Yitro a pris l'initiative de faire une Seuda en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a rejoint le camp d'Israël et qu'il a été accepté, alors il y aura, je ne sais pas si c'est un rapport avec la Torah et Thune, mais en tout cas les Tunisiens, eux, font cette Seuda par rapport au fait que Yitro aussi a fait une Seuda en l'honneur de Dieu. Et que le Minag, il dit ici, de la Seuda Yitro que l'on fait le jeudi qui précède Shabbat, c'est une Seuda Odaya en sacrifice en l'honneur de Dieu, comme l'a fait Yitro, d'où le nom Seuda Yitro. Encore une explication, et je vous laisse. Zon iskeret itgalut Hashem barach al har Sinai, car la Seuda de Yitro vient exprimer le dévoilement de Dieu sur la montagne du Sinaï. Venitna Sarat Adibrot, où les 10 commandements ont été donnés comme étant, on va dire, l'échantillon de toute la Torah. Velachen, pourquoi je dis l'échantillon? Parce que il y a une grande mahloquette à savoir, est-ce qu'on devrait dire tous les jours ou pas les 10 commandements? Sauf les Chachamim, ils ont dit non. Celui qui veut le dire, même le Harizal, il dit après la prière ou avant la prière, tu peux le dire, mais pas pendant la prière. Pourquoi? Parce que si on l'avait donné comme mitzvah de lire tous les jours les 10 commandements, alors les réformistes ou les libéraux ou les karaïtes, ils auraient dit, bah tu vois, pourquoi ils disent les commandements, les 10 commandements tous les jours? Parce que c'est le 8 quart, le reste, ça a été inventé par les hommes. Donc pour cela, ils ont annulé le fait de le dire. Mais sachez une chose, il y a une grande ségoula de lire les 10 commandements tous les jours, ceux de la paracha de Yitro le jour et ceux de la paracha de Vaïtranan la nuit, parce que c'est Zahar et Nekeba, masculin, féminin. Je referme cette parenthèse de l'étude. Venitna sarata de brot velachen les echer simchat Torah shekibanu ber Sinai osim seudazo. Et là c'est un chidouche que je ne savais pas avant de lire moi-même. C'est que quand est-ce qu'on lit les 10 commandements? Shabbat. Shabbat de Yitro, on va lire dans la paracha de Yitro les 10 commandements. Seulement là-bas, on a 3 seudot. Et ces 3 seudot, c'est les seudot du Shabbat. On ne met pas 2 couronnes sur une tête. Alors quand est-ce qu'on va faire une seuda spéciale parce qu'on a reçu les 10 commandements? Il dit ici, si, c'est ça la seuda de Yitro. Quand le jeudi tu fais ta seuda, oui. Eh bien, sache que cette Seouda-là, elle est en l'honneur des 10 commandements. Et là-bas, à table, c'est bien de lire les 10 commandements. Car il faut bien faire une Seouda en l'honneur des 10 commandements. Mais comme ça tombe Shabbat, bah, la première Seouda du soir, c'est une Seouda qu'on fait tous les Shabbats. C'est la Seouda du Shabbat, numéro 1. La numéro 2, c'est celle du lendemain matin, qui touche à Rabat. Et la numéro 3, Seouda Shlichit. Alors quoi, on ne fait pas une Seouda spéciale? On ne rajoute pas, comme pour Rosh Chodesh, un plat en plus? Il dit non. Le plat en plus, tu vas faire quand? Avant. Tu vas remercier Akadosh Baruch Hu de faire cette Seouda Yitro, parce que ça tombe de la paracha de Yitro. C'est une Seouda en l'honneur des 10 commandements. C'est pour ça que l'invité d'honneur de la Seouda Yitro, selon ce qu'il explique ici dans son livre, c'est tout simplement en l'honneur des 10 commandements qu'on fait la Seouda Yitro. Donc ça concerne tous les juifs. Venikret Seouda Yitro, Alchem Seouda Shel Paracha Yitro, comme je viens de vous l'expliquer, d'où la Segula de lire Bezrat Hashem pendant la Seouda de Yitro, Dafka, les 10 commandements. Il y en a aussi qui expliquent, donc, on mange, vous savez, tout ce qui est petit, pour rappeler les enfants qui étaient petits. Il y en a qui disent que pour la Torah, il faut savoir se contenter de peu. C'est-à-dire, c'est pas la peine de prendre un gros poulet, prends un petit coquelet. Pourquoi? Tov me'at la tzadik. Si tu veux la Torah, c'est pas la peine de courir après le monde gras, matériel. Regarde, tu vas manger peu. Nachon, c'est petit ce que tu manges, c'est mignon ce que tu manges. Tu vois que tu es déjà rassasié. Ma tatzach la shminyoter, qu'est-ce que tu as besoin de grossir plus? Tov me'at la tzadik. Ainsi donc, on comprend que d'un côté, c'est en l'honneur de se souvenir de Seouda Yitro, et puis de l'autre côté, on voit qu'il y a un rapport direct avec la Torah et bien d'autres explications. Bezrat Hashem. Refoua Shlemach, la main ira Bezrat Hashem pour tous les malades d'Israël. Et je vous rejoins tout de suite pour un prochain cours, pas trop long, sur le respect des parents après la mort. Chour très intéressant que je vous conseille de voir avec l'aide d'Hachem, puisqu'il nous en parle. Il me parle d'une très belle histoire que je connaissais, mais il la ramène ici. Pourquoi pas la partager une fois de plus pour enrichir pas simplement notre judaïsme, mais surtout notre Emouna. Bezrat Hashem. Donc on remerciera Joël Berda pour la Refoua Shlema. Bezrat Hashem de Mordechai Max Ben Myriam. Berda, je m'excuse pour le temps. Vous êtes dans la liste. J'essaie d'aller le plus vite possible. Donc il y a beaucoup de Refoua.
Peut-être qu'il a déjà guéri, Baruch Hashem, Aval Mashéken, que le Shiur, s'il a guéri, et s'ils ont guéri, leur donne encore plus de santé pour l'avenir. Et Zouchacham Retanolad, l'importance de l'homme, c'est de voir l'avenir. Erken Bezrat Hashem, et Marcel Bat Esther, Monet Bat Albert, Achlama Meira, Vatzlacha Rabba, à vous tous, et à tout de suite pour le prochain Shiur dans 5-6 minutes. Kol Touf.